this year? Yeah, a few people, yeah. Does the novelty ever wear off, or is it still? No, it's all amazing playing in this building. Special. Every time I come here, every time I play this team, it's special for me. So, yeah, it's fun playing in front of your family, your friend, people that supported you since day one. So, always a little extra fun for me tonight. That's it. Thank you, guys. The teams have been on quite a roll. What do you think they're doing a little bit differently from what they were doing like a few weeks back? I think we're our compete level is higher. I think we're skating faster. We're playing. We're making better decisions with the puck, and we're playing into our strength. Our strength is playing down low, playing fast, and spreading the zone, finding our shots from the point and driving the net. That's where we get our scoring chances from. That's how we start our offense. And then once that happens, when we cover the other puck, then we can look for our plays inside, and that's when we're kind of successful. So we got to keep the same mentality, play hard, play fast, play down low. And usually when we do that, a good thing happens. I think we're finding an identity as a line, and I think that's the best the good thing about our line is finding an identity, knowing exactly what you're going to get when you throw us out there. Forechecking or forecheck has been so much more efficient, and that starts with the first chip in. Like, we're not chipping the puck for no reason. Like, we actually have a purpose when we chip it in, and then it helps our forecheck and recover more pucks, and then F1, F2 are skating, F3 is right in the picture. If you do that, most time you're gonna have success. And like I said, forecheck is five guys as a unit, and our D's are a big part of it lately. They're jumping on the board, they're keeping pucks alive. They trust that our F3 is gonna back them up, and it just comes combination of everything that kind of helps us as a line. How do you find that purpose? Is it something you've got to discuss actively between yourselves, or is it something the coaches point out to you at practice? What's the purpose of chipping the puck? Oh, I mean, we just got to talk about it as a line. Yeah, those are big thing I've trying to reinforce, because it's very difficult to have a forecheck if the defenseman you're forechecking, his eyes up, is looking straight at you. It's going to be very, very difficult, because those defensemen are really good. They're going to find their place. But if they're looking, they're facing the glass with a puck in their feet, I mean, I like our chances. So, yeah, that's the way I see it. Jordan parlait de Marie comme de l'étincelle que vous aviez besoin cette année. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Puis quel genre d'impact est-ce que... Ça fait bien du sens qu'est-ce que Jordan a dit, honnêtement. C'est un jeune homme qui est tellement bon, puis il veut tellement apprendre, puis c'est vraiment plaisant de l'avoir dans notre locker room, puis de voir son énergie, sa jeune énergie, puis c'est vrai que ça donne un boost pour l'équipe, là. Ça prend une bonne dose de confiance en soi pour réussir dans la Ligue nationale à cet âge-là. T'en as peut-être vu d'autres dans ta carrière. L'avez-vous vu tout de suite, qui avait cette confiance-là, lui? Oui, dès son premier match, la première fois que j'ai vu pratiquer, on était à Calgary, puis j'étais là, wow, ce jeune joueur-là, il va être vraiment bon dans le national. Puis ce soir-là, il m'a vraiment épaté. La façon qu'il patinait avec la rondelle, la confiance qu'il avait, patinait avec la rondelle. C'était vraiment impressionnant. Je m'attendais à ce qu'il soit bon. Sauf que faire ça dès sa première année, c'est difficile. La plupart du temps, t'as des hauts et des bas dans tes premières années, c'est de la façon que tu réponds, de la façon que tu te réajustes quand ça va moins bien. Puis Mali fait extrêmement bien ça, il travaille tellement fort. Puis tu sais, ces bas, c'est pas des bas que non de ce bon. C'est vraiment minime. Puis il est tellement bon, il est tellement efficace, il travaille tellement bien les deux sens de la patinoire. Fait que, même si des fois il y a une séquence qui produit un petit peu moins offensivement, tu
tu le vois travailler tellement fort défensivement, c'est pas une lacune. Tu sais, il est jamais mal positionné, jamais. Donc, tu sais, ça l'aide beaucoup son année et son rendement. À quel point tu penses le fait qu'il joue une douzaine de matchs l'an passé, c'est sûr que ça a dû l'aider beaucoup de voir un petit peu c'est quoi la Ligue nationale, comment que ça joue. C'est beaucoup de matchs aussi, puis d'avoir un petit échantillon l'année passée, de jouer 12 matchs, puis de savoir c'est quoi que ça prend pour passer à travers une saison complète, puis de se préparer durant un été complet pour être prêt, là, je pense que ça l'a beaucoup aidé, là, effectivement. Vous êtes là pour une place en série. On ne vous attendait pas nécessairement là au début de l'année. Pas beaucoup de monde qui vous plaçait là. Là, vous arrivez à la mi-saison. Y croyez-vous vraiment? Puis avez-vous tout ce qu'il faut avec l'expérience que tu as encore pour être là jusqu'à la fin? Je pense que on peut pas vraiment se poser. T'sais, on peut pas regarder trop loin premièrement parce que après Noël, c'est tout le temps très difficile de gagner les matchs, c'est très difficile de faire les séries éliminatoires. Je pense que tout ce qu'on peut contrôler présentement, c'est justement le prochain match. Puis une fois qu'on va, tu sais, on continue à construire match après match. Puis je pense qu'on a confiance en notre groupe, puis on est capable, on a confiance qu'on peut être une équipe de séries éliminatoires. Puis c'est une façon, maintenant, c'est d'être consistent, d'être constant dans ce qu'on fait soir après soir, puis de continuer à construire bloc par bloc. Puis je pense que, comme j'ai dit, je pense qu'on peut être une équipe en séries éliminatoires. Puis c'est de continuer à travailler très fort, puis à continuer de trouver notre identité, puis de travailler vers ça. Là. Comment tu as trouvé Shane Wright dans le vestiaire? On voit sur la glace, on voit sa production dans le vestiaire. Comment t'as... Très bon jeune homme. Je l'ai adoré. Il était assis à côté de moi dans le locker room au Climate Pledge. Puis il est vraiment plaisant à voir. Puis il travaille extrêmement fort dans le même style que Maddie. C'est des jeunes hommes très humbles, qui travaillent très fort, qui veulent apprendre. Je suis super content pour lui, by the way, avec l'équipe Canada Junior. Il a très bien fait ça, puis non, je suis vraiment content pour lui. Puis c'est locker room wise, c'était vraiment un bon Jack, puis c'était vraiment le fun de l'avoir around. Comment tu vois le petit pas de recul, le fait qu'il aille dans les rangs juniors pour la suite? C'est pas un pas de recul pour moi. Si